Bonjour, nous sommes arrivés au dernier épisode de notre mini-série consacrée au concours officiel de l'AOP Saint-Nectaire. Nous allons donc maintenant pouvoir poser des visages sur les noms des gagnants de cette édition 2020. Mais vous allez voir que le hasard du concours a fait que l'un de ces visages ne vous sera pas complètement inconnu. Nous partons donc à la rencontre de Sylvie Dussert sur son exploitation, le GEC de Brion-Haut sur la commune de Compin, accompagné de son affineur Mustapha Emada de la fromagerie Sauron. Ils ont reçu le premier prix du concours Saint-Nectaire Fermier 2020. Bon, alors je m'appelle Sylvie Dussert. L'exploitation, c'est le GEC de Brion-Haut qui se situe à Brion sur la commune de Compin. Nous avons une surface de 121 hectares, 45 vaches laitières et 35 vaches allaitantes. Cette année, j'ai gagné le premier prix du concours fermier. On était contents parce que, bon, déjà, on avait eu des prix à Paris, mais là, c'est la consécration. Avoir un prix directement sur l'AOP, ça fait plaisir. Ce n'est pas la première fois que je participe à ce concours. J'ai eu le 7e prix l'an dernier à Orcival. À Paris, on a eu en 2018 la médaille d'or, en 2019 la médaille d'argent et en 2020 la médaille de bronze. Voilà le palmarès d'une équipe, mon frère, mon fils, moi et puis la fromagerie Sauron qui affine bien le fromage. C'est grâce à eux aussi que ça peut avoir lieu, je pense, hein, que ce fromage arrive à un prix comme ça. Nous travaillons ensemble depuis les années 2004. La sélection de ce fromage-là, c'était un fromage qui est mérité. Pendant plusieurs années, il y a de savoir-faire sur ce producteur et nous, on est derrière. Cette victoire, pour moi, c'était une rêve. J'étais vraiment très, très content d'avoir ces nouvelles-là, en fait. Ça nous fait plaisir parce que mon fils, qui est jeune, qui est sur l'exploitation, bah, ça lui donne envie de continuer. Ça lui permet de voir l'avenir plus sereinement. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour savoir où trouver nos fromages. Donc c'est que les gens s'y intéressent et que le produit plaît. Hein. Je pense que ça met une belle image de marque sur le Saint-Nectaire. Et puis ça fait aussi connaître la région. Ça permet de montrer que le Saint-Nectaire a quand même un bel avenir. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de la diffusion de notre mini-série consacrée au concours de l'AOP Saint-Nectaire. N'hésitez pas à vous tenir informés de la suite de nos aventures à travers nos différents réseaux sociaux et nous vous disons à très bientôt.